Hi everyone, welcome to AFF's holiday special. Today we're hosting a conversation between filmmakers Ekwa Msangi and Fontar Jnanakro. Both of these talented filmmakers have their works featured in our African Joy short film collection on Cinema Ujo, streaming from now until November 29th. Don't miss out and enjoy. Bienvenue Fontar, vous pouvez vous présenter. Allez-y. D'accord, donc Ekwa, moi je suis Fontar Jnanakro. J'ai fait une école de cinéma qui était à Ouaga, qui s'appelait l'INAPEC, et jusqu'à la licence. Et puis, je suis partie à Paris pour faire la maîtrise et le doctorat. Mais avant de réaliser, il était important pour moi de maîtriser certains métiers du cinéma. Donc, j'ai fait un peu de script sur les films d'Idrissa Ouédraogo. J'ai été assistante monteuse sur le film de Idrissa Ouédraogo et du Congo Pipa, un réalisateur camerounais. Et puis, j'allais dans les festivals à Amiens, à Cannes. Je rencontrais d'autres réalisateurs. Et comme j'étais jeune, un peu la tête en l'air, je me permettais de critiquer les films de mes aînés. Et alors, quand ils n'arrivaient pas à défendre leur projet ou à contredire ce que je disais, ils me disaient, c'est bien beau de critiquer le travail des gens quand on n'a jamais fait de film. Et c'est vrai que je crois que c'est un réalisateur, c'est Idrissa qui me l'a dit, et une nuit comme ça, je me suis dit, c'est vrai, quand on n'a pas fait du cinéma, quand on ne sait pas ce que c'est vraiment que de réaliser, on peut pas comprendre ce qui se passe sur un plateau de tournage. Donc à l'époque, comme tu le sais, c'est difficile d'avoir, quand pour faire son premier film, c'est difficile d'avoir de l'argent. Donc, j'étais à Paris, je faisais des gardes malades, des babysitters. J'ai pu avoir un peu d'argent et pour gérer la régie, parce que je savais qu'au Burkina, on avait ce centre de cinéma qui avait du matériel, qui avait des techniciens compétents. Donc, je savais que je pouvais avoir accès à ce matériel, à ces techniciens, mais je n'avais pas l'argent pour la régie. C'est-à-dire louer les voitures, mettre l'essence, payer les hôtels et tout ça, c'était difficile. Donc, quand j'ai pu avoir cet argent-là, j'ai vu une structure qui s'occupait des films africains qui était Atria, gérée par André Daventure. Et je lui ai dit, voilà, j'ai un peu d'argent pour faire une régie, voici mon scénario, je vais aller tourner, mais il me manque. Ils m'ont dit, bon, on va te donner deux boîtes. À l'époque, c'était pas numérique, c'était un film. Donc, je voulais faire en 16. Et ils avaient deux boîtes. Et moi, j'avais besoin de cinq boîtes de 16 mm pour aller tourner. Et un réalisateur, Pierre Fila, rentrait de tournage. Et là, son caméraman qui devait venir avec moi à Ouaga pour tourner m'a dit, écoute, à la fin du tournage, il nous restait cinq boîtes. Je pense que si tu appelles Pierre Fila, il va te les donner. Donc, j'ai appelé David, c'est David Pierre Fila. Donc, j'ai appelé David qui m'a dit, oui, d'accord, il n'y a pas de problème, tu peux avoir les cinq boîtes. Et nous sommes venus à Ouaga pour tourner. Mais comme j'étais frustrée pendant mon cursus scolaire, parce qu'on orientait plus les femmes à l'époque vers les métiers techniques comme le montage, la script, parce que nous avons un don particulier pour ce type de métier, et qu'il y avait très peu de réalisatrices à l'époque africaines, parce qu'il y avait, il y avait Safi Faye qui était la première réalisatrice au Sénégal, il y avait Mariama Iman qui était réalisatrice de documentaires au Niger. Et puis, il y avait Anne Mungai qui était au Kenya. Donc, j'ai dit, moi, je veux faire la réalisation. Et puis, je peux prouver qu'une femme peut être aussi bonne à la caméra, au son et dans les autres métiers du corps. Malheureusement, bien sûr, il n'y avait pas beaucoup de femmes caméramans, il n'y avait pas africaines, je veux dire. Il n'y avait pas beaucoup de femmes ingénieurs de son. Heureusement que j'ai pu avoir une amie à Paris, plutôt, qui faisait le son, non, la caméra, et qui m'a présenté à sa copine qui faisait le son. Donc, on est venu et j'ai confié tous les postes importants aux femmes. Et puis, les seconds rôles, les assistants, c'était des hommes. Donc, bien sûr, comme tu sais, en Afrique, c'était un peu compliqué. On m'a dit, oh là 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 là, c'est ton premier film. Tu as confié les postes importants à des femmes. Ça va être difficile pour toi de réussir. J'ai dit, bon, on va essayer. Et c'est vrai que c'était devenu une curiosité.
Parce que sur le plateau, les gens venaient, ils regardaient. Pendant la semaine de tournage, en tout cas, on était épiés pour voir si on arrivait à s'en sortir. Et puis, comme ils voyaient que je savais bien ce que je voulais, où mettre ma caméra, qu'est-ce que je voulais obtenir des acteurs, vraiment, j'avais maîtrisé, j'avais préparé mon tournage. Donc, la semaine qui a suivi, parce qu'on avait 2 semaines de tournage, parce qu'ils disaient, ah bien, les femmes, elles se débrouillent pas mal, hein. Elles se débrouillent pas mal, c'est pas mal, hein. Donc, je recevais des coups de fil. Ah, il paraît que ça se passe très, très bien. Je dis, oui, ça se passe très, très bien. Et coup de chance, quand j'ai fait un certain matin, il y avait le festival de Carthage en Tunisie. La copie n'était pas prête. La copie zéro m'a retrouvée à Carthage parce qu'on n'avait pas le temps d'aller chercher la copie et tout. Et puis bon, pour moi, c'était affronter le public parce que c'était la première fois, voir comment le public allait réagir, voir comment le professionnel allait réagir. Donc, j'avais un peu la choucroute, quoi. Et puis, bon, première projection, ça s'est pas mal passé. Et en Tunisie, ils ont un ciné-club d'enfer qui te demande tous tes films, qui ne laisse pas passer une erreur de faux raccord ou de caméra mal placée ou de lumière. Ils ne laissent rien passer tellement ils ont étudié le cinéma, tellement ils aiment le cinéma, tellement ils regardent avec un regard professionnel. Mais quand je suis passée à ce ciné-club, ça s'est relativement bien passé. Et puis bon, ben, j'étais contente parce que les gens, je recevais quand même des retours assez satisfaisants. J'ai dit, bon, mon premier film, c'était bon. Alors, de toute façon, on nous avait dit, ce n'est pas au premier film qu'on va avoir un prix. Hein. Il faut faire deux, trois, quatre films pour pouvoir espérer avoir un prix à un festival. Donc, le jour du palmarès, bon, je suis partie comme ça. Et puis, en me disant, bon, je vais aller regarder et puis je vais applaudir ceux qui ont reçu des prix. Et puis j'ai vu le jury monter sur la salle, sur l'estrade pour proclamer les résultats en chantant la chanson de mon générique, ce générique fin. Il y avait Sam Ben Ousmane, il y avait bon, des grands en tout cas, il y avait le maître de Channel 4. En tout cas, il y avait des grands cinéastes qui étaient là. Ils montaient et puis ils chantaient. Et dans mon cœur, je me dis, bon, c'est pour m'encourager parce que j'étais une femme et tout. Et puis ils commencent à proclamer les résultats. Et tenue de bronze, c'est pas moi. Tenue d'argent, c'est pas moi. Bon. Donc, du coup, je savais que j'avais rien. Et puis, paf, ils me disent, tenue d'or, c'est un certain matin de Fantalija Nacro. Ah, je peux te dire que c'était. J'ai pensé tout de suite à mon père. Et parce que mon père, quand j'ai dit, je vais faire le cinéma, il m'a dit, tu choisis ce métier, c'est difficile, mais tu dois être excellent dedans. Et comme il venait, il était mort 2 ans avant. Donc, tout ça, c'est l'image de mon père qui est venue et j'ai commencé à pleurer. Et voilà, donc j'ai commencé comme ça à faire du cinéma. C'était bien, je suis partie, ça m'a fait voyager. J'ai eu 11 grands prix. 11 grands prix dans différents festivals, la Licorne d'or à Amiens. Bah, ça m'a fait voyager. Et moi qui aimais voyager, c'était vraiment, je suis partie dans plusieurs États américain, je suis parti au Japon avec, je suis parti en Angleterre avec, je suis parti en Espagne. C'est un film qui a été acheté par tous les Canal Plus du monde, presque du monde. Arte l'a acheté. Donc, du coup, wow. Moi, je me pensais que j'étais une grande réalisatrice et que pour le prochain film, ça allait être facile. Tu m'arrêtes hein, quand je parle trop. Quand je démarre, j'arrête jamais. Hein. Et donc, j'ai commencé à faire Pukunini. Et voilà, premier échec. Pukunini, je présente à des subventions pour avoir de l'argent. On me dit non, le scénario n'est pas bon. C'est vraiment, en tout cas, j'ai eu du mal avec le ministère français de l'époque. Heureusement que Arte l'a acheté. Heureusement, bon, on a pu avoir quand même un peu d'argent et on a fait Pukunini. Et puis voilà, donc après Pukunini, j'ai fait quand même le truc de Konaté, j'ai commencé à faire pas mal de films. Et comme c'était la période où il y avait beaucoup de décès de maladies liées au VIH-Sida, je me suis dit, moi qui suis convaincue que le cinéma est un vecteur important d'éducation, pourquoi ne pas utiliser le cinéma pour sensibiliser? Donc j'ai fait toute une série de films sur le sida. Et puis après, bon, j'ai fait mon premier long métrage, La Nuit de la Vérité. Voilà encore. Enchantée. I'm so happy to be with you here. But I am my name is Akwa Msangi. I'm a Tanzanian
heritage filmmaker. I was born in America. My family's from Tanzania. I grew up in Kenya. So consider myself to be East African. And I grew up in the 90s, 80s, and 90s in Kenya. At the time, there wasn't any local TV, any local cinema. We didn't have our own shows, but we had such interesting people, just my family alone, listening to stories. I was very frustrated that there wasn't any reflection of the people that I thought were interesting. And so I would complain a lot about just the lack of interesting cinema that there was. We watched a lot of British stuff, just cheap British things or cheap American movies. So I decided, so my father, who was an artist, challenged me to, okay, fine, make your own film. Stop. Similar to with Ouédraogo telling you not just, don't just be a critic. You actually have to make your own film. So I was like, okay, fine. So I had heard of Spike Lee. He was the only Black filmmaker that I had heard of at that time. So I read up about him, and he went to school in New York University. So I decided to go to school at New York University so I could learn about cinema. And it was hard. It was hard because this was before digital, before YouTube, before, any of those things. I didn't, so nobody understood the stories that I was making. And it wasn't until my last year, after 4 years of film school, that I took a class in Africana studies with Mantia Diawara, who then, presented me or opened my knowledge up to African cinema, and that there were filmmakers like yourself who had been working on the continent for years that I'd never heard of, never heard of them. Even Anne Mungai, who's a Kenyan filmmaker, I'd never heard of her films because at that time, local films were never shown in theaters at home. I think we saw Sarafina, for 2 weeks when I was 12 or something like that, 10 or 12 years old. And that was as local a film as we could get, South African film with a Hollywood star. And so that completely changed my perspective and my outlook on being a filmmaker, where it finally felt possible. I was like, oh, I'm just talking to the wrong people. I'm trying to make films and explain myself to an American audience, but there's an audience out there that loves and respects and has been making African films for a long time. And so I decided to study a master's degree in African cinema so that I could learn who was working in this field. And that's how I met AFF, African Film Festival. as an internship, I was working at AFF. And at that time, we were still working on VHS, or so my job was to go through the library and organize the library of VHS films. And I got to, meet filmmakers and see films like yours, as well as many others, and learn about what had been happening on the continent up to this point, which is very different. West Africa and East Africa, and of course Anglophone and the Francophone countries. The Anglophone countries, we have more television than we do have film. Things are changing now with Nollywood and things like that. But anyways, that's how I came to film. I have made a few short films and released my first feature film in 2020, called Farewell Amour, about African immigrants living in New York. And I will say, actually, the film that is showing for Cinema Awujo, Sokosonko, is a film that I had made after I went to FESPACO. And I watched, I mean, FESPACO was amazing because
A, it's all African filmmakers. B, it's all these filmmakers that I had been studying about, and I just read all these books, and now the guy's walking down the street, and it was amazing. But all of the films were so serious and so heavy and so like I was just like, why does it have to, like, African people, we love to laugh, we're funny people. And yet, at film after film after film was just about the sorrow and the tragedy and the this and the, and I was just like, gosh, I have to do. So from then, I decided that was my first time at FESPACO. I think that was 2013. And I made a decision that I was going to make a comedy. And that's how I made Sokosonko after I came back from FESPACO. I was like, I need to make a comedy. It's a story that's inspired by my father, who was my initial inspiration for going into film in the first place. And to date, it's one of my favorite films that I've made. So I'm very proud of that and the connection that it has specifically to African cinema and our ability to just laugh at ourselves. Not all of our lives. I think we live big lives despite the hardship, despite the tragedies, despite all of those things. Non, je voulais juste réagir par rapport au fait que elle dit que elle a trouvé que tous les films africains étaient très sérieux, très tragiques, dramatiques et tout ça. Et je comprends parce que tous les films que j'ai faits quand j'habitais encore à Paris étaient bon, ça utilisait les sujets sérieux, mais par le biais de la comédie. Mais je me rends compte que depuis que je me suis installée à Ouaga, il est difficile pour moi de faire de la comédie. Parce que tous les sujets qui s'imposent à moi sont des sujets tragiques, sont des sujets dramatiques, parce que je suis dans un environnement tragique. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Donc, et quand tu vois ça, tu te dis, mais bah, aujourd'hui, en ce moment, je suis plein dans l'écriture de mon prochain long métrage. Et je fais comme toi, je me suis dit, non, il faut que je reste dans ma comédie, parce que c'est ça que je sais bien faire. C'est ça que je sais prendre un sujet tragique. Et le traiter sous par le biais de l'humour. Mais là, incapable, impossible pour moi d'intégrer l'humour dans l'histoire que j'ai envie de raconter. Est-ce parce que je suis dans un environnement austère? Est-ce parce qu'autour de moi, il y a tellement de problèmes? Je n'arrive pas à saisir. Alors que c'était plus facile pour moi quand j'étais encore à Paris. But it's, I mean, listen, we have hard things that happen in our life, and we don't have to always make comedy. But and then there's comedy, there's love, I think is also something that we don't often get the opportunity to talk about. There's which I think in your film you actually show, there's affection, there's this man who is trying to protect and provide for his family. And under these circumstances he is challenged. In Bele, Eka Krista's movie about the man who wakes up and finds that he's pregnant, where he has a different perspective initially, and then all of a sudden he's in, he's forced to have empathy for his wife and for all women for that matter. And I think so even if the film that you're working on is a serious film, I wonder if there's still space, if there's no space for comedy necessarily, I wonder if there's still space for at least love and empathy and that kind of thing, which I think is also really important. Ah si. Parce que l'amour, ça dit c'est difficile. Bon, comme quand on parle d'histoire, enfin, une histoire en toi bien construite, il me semble que même si c'est une histoire d'amour compliquée, cette histoire d'amour ne peut pas ne pas exister. C'est important qu'il y ait de l'amour, il est important qu'il y ait de l'empathie. Maintenant, ça dépend de comment tu abordes cet amour et comment tu abordes cette empathie, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est... J'ai le sentiment, moi,
avec ma petite, la petite expérience que j'ai le sentiment que l'environnement joue d'une manière ou d'une autre sur notre créativité. Je ne sais pas si elle le ressent comme ça aussi. Elle a vécu au Kenya. Tu as vécu au Kenya, quoi? Un peu. Yeah, I mean, I think definitely the environment makes, for example, when I was younger, growing up in Kenya, we had a very harsh dictator as our president, and we weren't allowed to speak. I mean, certainly about politics, but even about, it was a dictator, and then there was also very much this sort of like Christian fundamentalism, I guess, that was considered. If you weren't doing this, if you weren't behaving in a particular way, if you weren't going to this church or dressing like this or, saying these kinds of things, then you were a devil worshiper. And so, people would sort of attack you or not take you seriously and things like that. And so I think in those kinds of environments, you learn to subvert and to express in non-obvious ways, though, so that you can get your message across, whether it's a political message or something else. But even if it's something like love, I mean, right now in Kenya, there's a censorship board that is very fundamentalist. And so even people holding hands, or, of course, there's no mention of any homosexuality or anything like that, but they're very, very strict, as even for like TV commercials, or it's not just film. And so, as creative people, we're always trying to find different ways to express ourselves and to tell the stories that we want to tell and that we feel that our community needs to hear as well. I have a Non, question. ce que je veux dire, moi, c'est plutôt, par exemple, pour qu'elle comprenne bien, en ce moment ici au Burkina, on passe le temps à aller dans les cimetières. On passe le temps à aller entre les morgues, les maisons mortuaires, les cimetières, parce qu'il y a une maladie qui est apparue depuis 2 mois. Et il y a beaucoup de jeunes qui meurent. Tous les jours, il y a quelqu'un ou deux ou trois personnes de ton entourage qui meurent. Donc, ce n'est pas que c'est la politique ou que c'est le. Il y a une censure. Il n'y a pas de censure. C'est-à-dire que tu baignes dans une atmosphère de tristesse, une atmosphère d'incompréhension de la vie, que, et pour moi, peut-être que d'autres arrivent à le faire, que tu as du mal à avoir, à avoir une imagination qui apporte de la joie aux gens que tu veux communiquer. Tu as plus envie de partager ton empathie, tu as plus envie de partager ce que tu ressens de douloureux à l'instant T. Ce n'est pas qu'il y a une censure, ce n'est pas qu'on t'oriente vers des sujets bien particuliers, mais c'est toi, baignant dans une atmosphère comme ça de décès, de pleurs, de funérailles, de mort incompréhensible. Bon, avec l'insécurité, tu es dans une espèce de psychose que. Quand tu essaies même quand tu essaies de trouver des sujets en te disant, voici un sujet intéressant que tu as envie de raconter, pas pour toi, pas pour le Burkina seulement, mais pour le monde entier, parce que c'est un sujet universel. Quand on parle de l'amour, quand on parle de la mort, quand on parle de l'insécurité, l'insécurité, ça peut être l'insécurité physique, mais ça aussi, ça peut être aussi l'insécurité commerciale, ça peut être l'insécurité sociale. Quand tu essaies dedans, tu te dis c'est tellement, les gens sont tellement dans la douleur, que tu ne peux pas traiter ça à la légère. Voilà. Et pourtant, tu sais que les gens ont besoin d'aller se distraire. Si tu ne peux pas aller voir tout le temps un film et puis tu sors avec les larmes aux yeux. Moi, mes meilleurs films, justement, c'est quand je suis triste. Mes meilleurs films, c'est d'aller voir, de remettre Sister Act, de regarder, de rigoler. Pour passer. Quand je suis triste, j'ai envie de voir quelque chose de rigolo pour le faire. Mais toi, quand tu écris, c'est un peu compliqué. Voilà, je partage mes inquiétudes de moment. Well, I have a question because, similarly to, well, to all filmmaking pretty much everywhere in the world, it's very expensive. And so
oftentimes as filmmakers, we are dependent on the funders, on the people who give us money, the grants, the World Cinema Fund, whoever. And, you know, they tend to green light certain movies. I mean, I don't know that they're getting a whole bunch of comedies that they're saying no to, but I wonder, you know, just generally in the world, funders are the ones who kind of decide the kinds of movies that we can make, especially if we're making something like a feature that needs a lot more support and resources. Living in this country, in the US, you know, when you're making a comedy as a Black person, there's a certain expectation of what, of who's going to be in that film, who's going to star in the film, like Kevin Hart, I don't know, Issa Rae, something like that. And, you know, not to say that it's impossible to do anything differently, but it's difficult to maneuver, let me put it like that. And I'm wondering what it's like, or what are the politics around, if there are politics around making comedies in particular, or lighter movies, non-tragic African films, living on the continent and specifically in Burkina Faso. Non, bon, au niveau du cinéma, je parlais plutôt du cinéma africain de l'Afrique de l'Ouest. C'est totalement différent. Par exemple, au Burkina, ici, on était bien organisé, on avait un compte où on pouvait avoir un peu d'argent pour débuter la recherche des fonds à l'extérieur. Mais ce qu'elle doit savoir, c'est que notre cinéma est un cinéma subventionné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prêt, il n'y a pas de... Non, il y a des guichets où on remplit des dossiers, on va déposer, on espère avoir de l'argent. Donc, jusque dans les années, je dirais jusqu'en 2000, on n'avait pas beaucoup de difficultés parce que ce n'était pas lié au projet, c'était lié à la qualité du projet qu'on présentait, mais pas lié au thème ni au genre qu'on présentait. C'est-à-dire que si le scénario, il y avait une histoire, il y avait une idée, c'était bien construit, le réalisateur ou la réalisatrice avait des compétences pour réaliser, il y avait de fortes chances que la personne puisse avoir de l'argent pour le faire. Parce qu'on avait le guichet en France, on avait le guichet en Allemagne, on avait le guichet à Rotterdam, avec le festival de Rotterdam, on avait surtout le guichet avec l'Union européenne. Parce qu'on avait réussi à faire signer une convention avec l'Union européenne qui donnait un certain montant pour les films en Afrique. Donc, on n'était pas, on n'avait pas cette censure de mon producteur aime bien le film ou pas, il n'aime pas le film. Bon, déjà, on n'avait pas de producteur. On avait des producteurs qui étaient là pour gérer la post-production, pour gérer. On était nous-mêmes notre propre producteur, on était nous-mêmes notre propre distributeur, on était nous-mêmes notre propre réalisateur ou scénariste. Donc, ça fait que ça n'arrangeait pas la chose, mais on n'a pas su construire. Mais à partir de 2020, la France a commencé à ne plus nous donner beaucoup d'argent parce qu'ils ont dit, bon, on va aller explorer les cinémas d'Afrique anglophone. Mais ils n'ont pas augmenté le montant nécessaire pour pouvoir aller chercher d'autres projets à financer. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, on a des réalisateurs, il y a deux réalisateurs qui sont venus, je vais taire le nom. Ils ont dit non, le cinéma, ça coûte tellement cher qu'avec, par exemple, pour qu'elles comprennent bien, le Pugnini, on avait un budget de 400 000 francs français à l'époque. Et c'est pas des 400 000 francs français, ça fait moins de 1 million. Ça fait 600 000. Je ne sais plus comment on dit ça en français. 400 millions, 1 million, ça fait 600 000. Donc moins de 1 million d'euros. Moins de 1 million d'euros. Et donc, d'autres viennent en disant, avec 20 000 euros, j'ai fait un long métrage. Et moi, j'ai dit, j'ai eu besoin de moins de 600 000 euros pour faire un court métrage de 30 minutes. Donc, ça veut dire quoi? C'est soit moi, je vois l'argent, soit, en tout cas, il y a quelqu'un qui ment. Donc, du coup, quand on a fait comme ça, les Français, ou ceux qui donnaient l'argent, on se dit, bon, si effectivement quelqu'un peut faire un long métrage avec 20 000 francs euros, alors que d'autres viennent pour faire un court métrage avec 600 000 euros, ça pose un problème. Donc, on va plafonner.
Et ils ont plafonné, ils ont dit tout projet de long métrage, on va lui donner 20 000 euros par exemple. Alors qu'on sait très bien que les laboratoires, on ne trouve pas de laboratoire en Afrique, il faut aller en France pour développer. Même quand il y a des coproductions, on a essayé de faire des coproductions avec les États-Unis. On s'est rendu compte que les États-Unis, ils donnent de l'argent, mais tout l'argent a été dépensé aux États-Unis. La France, tu donnes l'argent, tout l'argent a été dépensé. L'argent qu'ils donnent, en tout cas, il faut que tu engages des techniciens français. Il faut que tu travailles dans les laboratoires. Donc, il y a un quota d'utilisation de cet argent-là dans ton pays. Donc, ça fait que ça ne nous arrangeait pas trop. Après, ils ont dit non, on va plus soutenir. Parce que les anciens avaient du mal à faire deux longs métrages tous les ans, avaient du mal à faire régulièrement des longs métrages parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Ils ont dit bon, maintenant, on va essayer de soutenir les plus jeunes. Donc, en donnant très peu, et là, le numérique est venu, en donnant très peu, on donne une petite caméra, on s'en fout de la qualité, on s'en fout. Et du coup, le cinéma africain a commencé à être de plus en plus mauvais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on trouve rarement des films africains aujourd'hui dans le paysage cinématographique mondial. Parce que les films qu'on produit ne sont pas de qualité suffisante pour pouvoir aller, se mettre en concurrence avec les films comment ils appellent, la Steven Spielberg ou Nolan ou je ne sais pas quoi. Alors qu'avant, avec les Idrissa, avec les Samuel Ousmane, bon, c'est vrai, ce n'est pas des films d'une qualité extraordinaire, mais on n'avait pas honte d'aller à Cannes et de le passer avec les autres films qui venaient du monde ailleurs. Donc, c'est ça que ça fait qu'aujourd'hui, je suis dans un espèce de pessimisme incroyable parce que on n'a pas de guichet, on n'a pas pu développer l'aspect commercial de nos films. OK. Je veux savoir sur quel projet elle travaille en ce moment. I wish they were comedies. They're not comedies. I am working on a project that I'm very excited about because it is set in West Africa. It would be my first time shooting in Francophone West Africa. It's set between Senegal and Chad. It's kind of a story about genocide, actually. It's a story that follows three human rights lawyers who brought Hissène Habré, the ex-president of Chad, to the International Criminal Court. So it's more of a thriller, let's put it like that, as opposed to a tragedy, because they win in the end. So it actually is a success story. And then I have another project on my desk that is an American project, an African American project about a group that was bombed in 1985 in Philadelphia. Activism group, but activism for like environmentalists, sort of. And so those are projects that I'm trying to. Which is why I asked the question earlier, projects that even though they are heavy and they're important, and we're in a time right now, especially in this country, in the US, where books are being banned and education and the histories of Black people in particular are being suppressed. Cinema has become important in a way. In a very different way, in a very specific way, because it's one of the last places where we're able to actually tell real stories about Black people from the continent or the diaspora anywhere. But how do I tell those stories and not exhaust or depress my audience, myself and my audience? How do I tell those stories and really focus on like the love and the joy and the empathy, which I think as a female director, as a female filmmaker, yourself included, that's one of the things that we do very well is that we're able to exp or tell stories that show vulnerability. I think that's true for all of the stories that we have in Cinema Awujo is really about, looking at people, the human condition, and sort of enjoying the vulnerabilities of
of humans, of humanity. So that's what I'm working on right now. C'est une fiction ou bien un documentaire? C'est une fiction. Fiction, d'accord. OK. D'accord. En tout cas, c'est des très beaux projets. C'est des très beaux projets. Je crois qu'on en a besoin, surtout, par exemple, le premier projet, je pense qu'il nous manque quand même des histoires basées sur des histoires réelles, historiques. Parce que Hussein Albé, depuis qu'on était petit, on en a entendu parler. C'est bien qu'il y ait ce projet-là. Et au Sénégal, ils sont maintenant bien organisés. Ils ont beaucoup d'argent. Donc, je pense qu'elle aurait un bon accompagnement au niveau de Dakar. Et puis, au niveau du Tchad aussi, avec Haroun Mohamed Salen et puis Serge Guédo, ils pourront beaucoup la soutenir pour toutes les autres choses complémentaires. Ma question, c'est où est-ce que, puisqu'en étant aux États-Unis, est-ce que c'est un film produit par les Américains ou c'est un film produit par de l'argent trouvé en Afrique? Non, c'est un film américain, avec l'argent américain. So therefore, il y a beaucoup de politique. Il y a beaucoup de politique. Il nous manque ça. Beaucoup de politique. Et ça, c'est le travail maintenant, is how to manage le politique. Et also because West Africa, as much as there has been decades of cinema, Hollywood has never shot in West Africa before. So everyone is like, oh my God, how are we going to shoot in South Africa? Non, mais je pense que tu es dans le bon timing parce que moi, je suis le projet sur lequel je suis en train de travailler, c'est un film politique. Et je suis contente parce que je me rends compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent à des films politiques. Et il en manquait. Et je suis très contente que tu aies ce projet et que j'ai le mien aussi. Mais moi, le mien, c'est, il reste politique d'actualité. Après, d'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, mais vraiment très politique. Et j'espère, bon, pour moi, c'est juste le début. J'espère en toi trouver les fonds nécessaires pour le faire, mais je suis habitée par cette vie politique, ces intrigues politiques, cette atmosphère-là me plaît. Et je suis très, très contente. J'espère que ton projet va aboutir, que tu pourras tourner rapidement. Et on restera en contact, en tout cas, pour faire des échanges. Voilà. Merci. Bravo. Merci. À toi aussi. Courage à nous. Merci. Merci.